Bonsoir, bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Shalom chez vous. Que Joshua, notre Père, notre Seigneur, vous garde et qu'il vous bénisse ce soir. Nous sommes le 21 février 2023. Par la grâce du Seigneur, il a permis que nous puissions encore être ensemble, vivants, debout, pour pouvoir nous édifier, nous encourager, pour nous préparer à le rencontrer lorsqu'il reviendra ou lorsque la mort nous prendra cet événement malheureux qui malheureusement arrive au quotidien, mais c'est aussi l'un des moyens par lesquels le Seigneur décide de rencontrer sa créature. Donc, euh, c'est une joie et un honneur pour moi et un privilège que le Seigneur m'accorde de pouvoir parler de sa part. Et donc, euh, je voudrais qu'on prie ensemble, frères et sœurs, pour présenter en, encore ces moments entre les mains du Seigneur, pour nos vies, pour qu'aucune distraction, pour qu'aucun obstacle ne nous empêche à écouter, à comprendre à réaliser et à ce que cette parole transforme nos cœurs et nous libère des chaînes de l'enfer au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole ce soir. Seigneur, que ta parole soit prêchée avec puissance, avec force, au nom de Jésus. Père, je prie que ce soir, les chaînes tombent, les chaînes de l'enfer dans les vies des gens qui tiennent les gens captifs au nom de Jésus. Père, que tu affranchisses tes cœurs, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, que les chaînes tombent, que les écailles tombent des yeux, que ta lumière vienne et qu'elle éclaire, je te prie, au nom de Jésus. Père, que les ténèbres soient dissipées, je te prie, au nom de Jésus. Que les démons soient chassés, Père, au nom puissant des hauts choix, Seigneur, toi qui règnes. Je te confie ces moments, Père que les cœurs soient soumis à la puissance et à l'autorité de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth Père. Que nous nous effaçons tous, à la fois moi qui parle et ceux qui écoutent, pour que la puissance de ton esprit saint parle, agisse et transforme nos vies. Je te bénis pour tout au nom puissant de choix. Amen. Alors ce soir, on va continuer la série de partage concernant les fausses doctrines parce qu'il y en a plusieurs euh, il, y a deux il y a deux mardis, on a parlé d'abord de l'effet des fausses doctrines de façon générale. Mardi de la semaine dernière, par la grâce du Seigneur, nous avons parlé de la doctrine de Balaam. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur notre page YouTube hein, euh, et sur notre site internet aussi. Donc euh, voilà. Et ensuite, vous avez aujourd'hui, euh, on va avoir l'occasion de pouvoir. Parler justement de cette doctrine-là, la doctrine du, de, euh, du salut garanti. Hein, la fausse doctrine. Donc, on pourra mettre comme titre allez, au partage d'aujourd'hui, à l'enseignement, la fausse doctrine du salut garanti. Hein, la doctrine qui dit qu'on ne perd pas le salut. C'est une doctrine qui est enseignée et qui est même enseignée ici au Gabon et dans la ville de Port-Gentil en particulier. Voilà, il y a des gens qui enseignent cette doctrine. Et nous allons voir à la lumière des Écritures si, bibliquement, on ne perd pas le salut. Est-ce que le salut est acquis une fois pour toutes Voilà. Donc, par la grâce du Seigneur, on va d'abord prendre un passage de base par lequel ces prédicateurs s'appuient pour expliquer leur doctrine. Et ensuite, nous allons expliquer à la lumière des Écritures. Que le salut peut être perdu et les conditions qu'il faut remplir pour perdre le salut. Et évidemment, on comprendra qu'à l'inverse, celui qui ne remplit pas ces conditions se bat et sinon fait tout pour sauver son âme pour vivre dans l'éternité avec le Seigneur. Donc on va prendre Jean chapitre 10, le verset, les versets 27 et 28. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 verset 27 à 28. Alors, je vais prendre chez moi, comme on a fait le, le samedi dernier, ça va permettre d'aller plus vite. Jean chapitre 10 verset 27 à 28. Alors, le Seigneur dit "Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent." Verset 28, "Je leur donne la vie éternelle" Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, voilà l'un des passages que ceux qui enseignent cette doctrine de, de la, du salut garanti, peu importe le, la, le mode de vie qu'on peut vivre, on peut vivre dans le péché, on peut faire ce qu'on veut, on est sauvé une fois, sauvé pour toujours. Ceux qui enseignent cette fausse doctrine, qui est une doctrine diabolique, sortie tout droit de l'enfer, envoyée de l'enfer par Satan, qui utilisent des gens qui sont mal affermis ou qui ne sont pas convertis, simplement des gens en majorité qui sont des ouvriers du diable, ils s'appuient sur ce passage biblique pour expliquer que si nous sommes les brebis du Seigneur, le Seigneur nous donne la vie et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous voyez, et moi j'ai toujours, j'insiste toujours en disant aux frères et sœurs que le, le malheur de notre génération, c'est que nous lisons une Bible qui a, été indexé, qui a été indexé, et cette indexation passe par quoi Elle passe par euh, le découpage de la Bible en chapitres et en versets. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que vous allez avoir quelqu'un qui va prendre un verset et qui va le sortir pour le mettre dans le contexte qui lui plaît. Or, les Écritures, comme vous pouvez le constater, c'est plusieurs livres. Certains livres sont des lettres qui avait été écrite par des apôtres sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrite par des prophètes, écrite par des personnes qui ont été inspirées par le Seigneur. Et ces livres-là renfermaient l'esprit des Écritures, l'esprit du Seigneur. Donc, ce n'est pas un passage qu'on prend de façon isolée et qu'on va le placer hors contexte des Écritures et on va pouvoir expliquer et former une nouvelle doctrine avec ça. Vous voyez? Et quand le Seigneur permettra... On aura aussi peut-être l'occasion de parler justement de cette fausse doctrine qui pilule de la doctrine de la polygamie. Est-ce qu'un chrétien peut être polygame? Vous avez simplement déjà la réponse, on pourra l'expliquer en profondeur. Vous voyez, la Bible nous dit que Christ, son épouse, c'est l'Église. Or, il n'y a qu'une seule Église, il n'y a pas plusieurs Églises. Il y a plusieurs Églises locales, mais sur le plan spirituel, il n'y a qu'une seule Église. Une seule Église, il n'y a qu'un seul corps. Et dans ce corps-là, c'est Christ qui est la tête. Il n'y a pas plusieurs corps. Donc vous comprenez déjà que sur le plan spirituel, quand on voit la Bible, la Bible nous dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie avec S, Marie, vous les maris, aimez vos femmes, vos, parce qu'on parle aux maris. Et donc il y a des nuances comme ça que les gens essayent de faire pour expliquer qu'en en fait on peut être polygame, parce qu'ils s'appuient sur les textes de l'ancienne alliance. Donc, pour revenir à cette doctrine, cette fausse doctrine, qui est une doctrine qui dit qu'on ne perd pas le salut, ben ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes sauvé, vous avez accepté Christ, vous pouvez vivre dans le désordre, vous pouvez vivre dans l'impudicité, dans le mensonge, la haine, la jalousie, les meurtres, les avortements, les querelles, les divisions. Vous pouvez vivre selon la chair, simplement, comme dit la Bible. Hein, vous pouvez vivre selon la chair. Et là, et là cette doctrine vous dit que vous marchez selon la chair ou pas, vous êtes sauvés parce que vous avez accepté Christ une fois pour toutes et vous avez le, la, le salut garanti. Donc, nous voulons vous montrer par les Écritures que cette doctrine elle est fausse et en même temps, je crois que beaucoup qui nous suivent, vous savez qu'elle est fausse, mais ça vous permettra justement davantage d'avoir des, des arguments bibliques pour pouvoir aider d'autres personnes et aussi ceux qui croient en cette doctrine, ça va leur permettre d'être éclairés et de comprendre que cette doctrine, elle est purement diabolique. Donc, on va premièrement expliquer des concepts qui sont des concepts qui vont nous permettre d'éclairer justement la compréhension que la Bible nous donne. N'est-ce pas La Bible nous donne. L'un des concepts qu'on doit comprendre, c'est que qu'est-ce que ça veut dire accepter Jésus Parce que c'est une notion qui est très mal comprise. Aujourd'hui, ce qu'on fait croire aux gens, c'est qu'accepter Jésus, c'est lorsque tu es allé quelque part. On a annoncé la parole, on a demandé qui voulait accepter Jésus. Tu es allé devant. On a demandé de répéter une prière qui est souvent de cette forme-là Seigneur Jésus, je te, je te, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Pardonne mes péchés. Et puis on t'impose les mains. Et puis on te dit tu es sauvé. Tu es membre du royaume de Dieu. Donc, c'est souvent ce qu'on explique aux gens pour leur dire qu'ils ont accepté Jésus. Or, bibliquement, c'est pas ce que la Bible euh, nous explique. C'est quoi accepter Jésus Alors, on va parler des gens, on va voir c'est quoi accepter Jésus, et on va voir quels sont les effets de l'acceptation de Jésus, et à cause de ces effets, quelles sont les exigences qui en découlent. Alors, on va prendre euh, euh, romain euh, romain chapitre euh, chapitre 10 alors j'essaie de retrouver un euh, romain chapitre 10 on va lire à partir du verset, euh, du verset euh, 8. Romains chapitre 10 à partir du verset 8. Juste le temps de laisser la régie affichée. Très bien. Que dit-elle donc Il s'agit de la parole. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, croire en Jésus, c'est d'abord confesser Jésus. C'est accepter Jésus dans son cœur, c'est confesser de sa bouche aussi qu'on l'accepte. Et cette confession-là, il faut savoir que quand on parle dans les Écritures de la bouche, la bouche, quand vous lisez Jacques chapitre 2, est liée au cœur. Hein, quand vous lisez aussi euh, Proverbes chapitre 4, versets 21, 22 et 23, hein, notamment le 22 et le 23. On vous parle justement du lien entre le cœur et la bouche. La Bible vous dit dans le Proverbes chapitre 4 verset 23 que garde ton cœur plus que toute chose car de lui viennent les choses de la vie. Et avant vous fait comprendre que celui qui veut vivre longtemps, en fait celui qui veut bien vivre, il doit apprendre à garder sa langue. Vous voyez Et donc accepter Jésus, c'est confesser Jésus de son cœur, c'est reconnaître que le Seigneur est sauveur dans son cœur et c'est le confesser de sa bouche. Mais il faut que le cœur d'abord puisque c'est du cœur la Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il faut d'abord que le cœur soit touché. Or si le cœur est touché, ça veut dire quoi Ça veut dire que le cœur reconnaît qu'il a une vie de péché et que sa vie ne plaisait pas au Seigneur. C'est la base. Parce que bibliquement accepter Jésus derrière ça il y a la repentance. Vous voyez Et quand on parle de la repentance, la repentance c'est métanoïa ça veut dire changement de direction. Ça veut dire que vous marchez dans une direction, qui est la direction du monde, selon les principes de ce monde. Et maintenant, vous êtes convaincu par l'esprit de Dieu dans votre cœur que votre vie ne plaisait pas à Dieu. Et vous décidez de venir à Jésus. Et quand vous venez à Jésus, vous vous repentez, vous demandez pardon pour vos péchés, vous demandez pardon pour vos fautes. Si on demande pardon, c'est simplement parce que, en réalité, l'homme reconnaît que sa vie était contraire à la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qu'il faut qu'on comprenne, c'est étant donné que nous sommes, nous acceptons Jésus, la conséquence, c'est quoi La conséquence, c'est que quand on accepte Jésus, il nous donne son Esprit Saint. Vous voyez, pourquoi il nous donne son Esprit Saint Pour que nous lui appartenions. Alors, on va lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va lire le verset 9. Alors, on va déjà même lire le verset 8 pour mieux comprendre. Romains chapitre 8, verset 8 jusqu'au verset 9. Alors, c'est bon. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, pour appartenir à Christ, au-delà d'avoir fait la prière de Je te reconnais dans mon cœur et tout le reste, il faudrait que le Seigneur te donne son Esprit Saint. C'est ce qui est la marque, c'est ce qui fait en sorte que spirituellement, le Seigneur reconnaisse que tu lui appartiennes comme lorsque dans Exode chapitre 12, on avait sacrifié l'agneau pascal et qu'on avait frotté le sang de l'agneau sur les portes de maison pour que l'ange qui devait frapper l'Égypte ne frappe pas les maisons où il y avait le sang qui avait été mis sur les lenteaux. Vous voyez donc, ça c'est la marque. Et l'Esprit de Dieu en nous, en l'homme, est la marque qui nous permet justement d'être identifiés par le Seigneur. Or, la Bible nous enseigne, dans ce qu'on vient de lire, que si on marche par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas marcher selon la chair. Or, selon Galates chapitre 5, on va le lire tout à l'heure, on nous fait comprendre qu'il y a des œuvres de la chair, on nous liste les œuvres de la chair, qu'on va lire tout à l'heure, et si quelqu'un marche selon ces œuvres de la chair, la Bible nous dit qu'il ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Donc on comprend simplement et aisément que dire à quelqu'un que une fois tu as accepté Jésus, tu es sauvé, une fois sauvé pour toujours, tu peux vivre comme tu veux dans le désordre. C'est une fausse doctrine et c'est Satan qui veut séduire les gens. Alléluia. Le deuxième effet du fait que tu as, le troisième effet, pardon, de ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est, on va lire un passage, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12. verset 13. On va lire à partir du verset 12 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12 et 13. OK. Je vais lire à l'écran. Car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 12, 13 pardon. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, esprit de Dieu pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, ça c'est le troisième effet de accepter Jésus. On reçoit l'Esprit saint, saint dans nos vies qui nous greffe au corps de Christ. Vous voyez, si on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être greffé au corps de Christ. On a besoin d'être greffé au corps de Christ. Alléluia, il faut qu'on soit greffé au corps de Christ. Sinon, on n'appartient pas au corps de Christ. Et si on n'appartient pas au corps de Christ, ben on ne peut pas bénéficier des bénédictions de Christ. Quand on parle des bénédictions, ce n'est pas l'argent, c'est tout ce que Christ a prévu, y compris l'enlèvement de l'Église. Parce que Christ viendra enlever l'Église. Or, l'Église est son corps. Donc, il partira avec son corps. Vous voyez? Donc, clairement, ce sont des bases qu'il faut poser. Accepter Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on bénéficie de cet effet-là, de ces choses-là dans nos vies. Et évidemment, il y, a plein de, il y a plein de choses. Vous voyez Il y a plein de choses. Par exemple, euh, si on lit euh, euh, Colossiens, alors Colossiens, Colossiens chapitre. chapitre euh, Alors, je recherche le passage. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc des démons qui nous maltraitaient et qui nous amenaient dans le péché, et nous a transportés dans le royaume. Du Fils de son, de son amour, verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, verset, verset 14. Donc, voilà les effets de l'acceptation la, de, de Christ. Il nous délivre des péchés, il nous pardonne de nos péchés. Merci Seigneur. On va lire, euh, on va lire 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1 Un Pierre. Alors, je vais donner le verset tout à l'heure. Alors, je retrouve rapidement la référence. Alors, c'est un pierre. Euh Alors, je vais retrouver le passage. Donc, on, va, on va revenir d'abord, on va, on, va, on va continuer le, le partage. Je vais retrouver le passage d'un pierre. Donc, on expliquait que voilà les effets de l'acceptation de Jésus. N'est-ce pas Maintenant, on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ceux-là qui marchent dans le péché. Donc, on va prendre, il y a plusieurs passages, on en a tellement, on va prendre, euh, euh, on va prendre un Corinthien. Uh, 1 Corinthiens chapitre 6 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 6 Alors à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Les injustes, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Et on va lire la suite au verset 11 qui est très intéressant. Il dit Et c'est ce, là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez donc, on revient à l'acceptation du Seigneur qui nous a lavé, qui nous a purifié de nos péchés. Ouais, donc, quand on accepte le Seigneur, on est lavé, on est purifié de nos péchés, on reçoit l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous amène à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Et la Bible nous dit qu'après avoir été sanctifié, si quelqu'un marche dans le péché, il ne peut hériter le royaume des cieux. Vous voyez, voilà ce que la Bible nous dit, qu'on ne peut pas hériter le royaume des cieux si on vit dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Clairement, ce n'est pas possible. Vous voyez On va prendre un autre passage. On va prendre un autre passage. On va prendre Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, on va lire à partir du verset 16. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. La Bible nous dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les, in les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, parce qu'on ne peut pas tout citer. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc vous voyez que la Bible ne se contredit pas. La Bible se complète. Vous voyez, maintenant on voit ce que l'Esprit produit dans nos vies et qu'on doit laisser l'Esprit se manifester en nous. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez C'est ça les fruits de l'esprit. et donc du coup quand on marche par les fruits de l'esprit, on ne peut l'esprit, on ne peut pas accomplir les œuvres de la chair. On va lire un autre passage. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 8. À partir du verset 7. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez Donc, ici, on parle de l'Apocalypse au jugement. Comment on peut vouloir dire aux gens que on peut vivre dans le péché et puis être sauvé On est sauvé pour toujours. Vous comprenez simplement que c'est purement démoniaque. C'est Satan qui tient les gens en captivité et qui veut les amener justement à vivre dans le péché. C'est simplement ça la réalité, frères et sœurs. Nous devons faire attention aux œuvres du diable parce que Satan rôde comme un lion régissant, cherchant qui dévorer. On va encore lire. Euh, on va lire Apocalypse. On va lire. Euh, alors on va lire. Il y a tellement de passages. On va lire euh, un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Chapitre 4, à partir du premier verset. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et plaire à Dieu, c'est ce, c'est ce, c'est, et que c'est cela, et que c'est là ce que vous faites, pardon. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus, donc pas des hommes. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. On va s'arrêter là. Donc on va lire la suite, verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Vous voyez, donc, quelqu'un qui rejette la sanctification ne rejette pas l'homme, il rejette Dieu. Et en rejetant Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il éteint l'Esprit dans sa vie. Et justement, voilà encore une autre, un autre mensonge par lequel il passe pour expliquer qu'on a reçu l'Esprit, on reçoit l'Esprit une fois pour toutes. Alors, on va lire ce que les Écritures nous disent. Nous disent. Qu'est-ce que les écritures nous disent? On va on va voir. On va lire euh, on va lire. Euh Alors, je recherche la référence. Alors, on est dans Éphésiens. Alors, Éphésiens, chapitre. Alors, Éphésiens. Ephésiens chapitre 4, normalement, je retrouve la référence. Le Seigneur est bon, il est magnifique. Frères et sœurs, ne vous laissez pas avoir euh, par, euh, par toutes ces fausses doctrines hein, qui... Euh, qui, euh, qui, qui viennent pour euh, vous amener en enfer. Vous voyez? Ces doctrines viennent simplement pour vous amener en enfer, pour euh, entraîner les âmes dans l'enfer. Parce que Satan euh, veut amener les gens en enfer, pour que les gens soient avec lui en enfer. Parce que le lac de feu n'a pas été créé pour l'homme, ça a été créé pour l'ennemi. Alors, on est dans euh, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Alors, la Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Donc, si la Bible nous dit de ne pas éteindre l'esprit, ça veut dire qu'on peut éteindre l'esprit de Dieu. Et donc, si on peut éteindre l'esprit de Dieu, on comprend que pour éteindre l'esprit de Dieu, on a besoin simplement de vivre dans le péché. Et vous avez l'histoire de Saül, quel exemple Concret de ce que ça veut dire éteindre l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu qui était en Saül a été remplacé par un mauvais esprit envoyé par Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu ne change pas, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui confondent. Ils pensent qu'il y a un Dieu de l'ancienne alliance et le Dieu de la nouvelle alliance. Non, ce sont les dispensations qui ont changé, mais le Dieu reste le même. Dieu reste le même. On va lire Ephésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez, donc l'Esprit de Dieu, comme on a vu le cas avec Saül, l'Esprit de Dieu était parti de la vie de Saül. Vous voyez Voilà. Donc, euh, clairement, frères et sœurs, ne vous laissez pas embobiner de vous laisser plus embobiner par ces fausses doctrines, où on vous dit qu'on ne perd pas le salut. Vous voyez, parce que ces choses-là viennent simplement pour pouvoir amener les gens en enfer. Alors, on va lire euh, un pierre. Chapitre... Euh, Chapitre 4 à partir du premier verset. 1 Pierre, chapitre 4 à partir du premier verset. 1 Pierre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, lorsqu'on était inconverti, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne pratiquez pas avec eux dans les mêmes débordements et débauches et ils vous calomnient. Ouais, donc la Bible nous dit qu'on ne doit plus marcher selon ces choses-là. C'est fini, on ne peut plus marcher selon ça. Nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés de, des œuvres des ténèbres, nous devons maintenant suivre le Seigneur. Alors, on va lire encore quelques passages pour terminer. On va lire 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset. De Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main d'homme, de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus. Et non pas nus. Si de moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez Et il dit par la suite car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés pas, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. On va lire un autre passage. Donc, il y a le passage, euh, on, va, on, a, on a lu hein, Romains 8, 9, hein, donc on l'a on on déjà lu, c'est bon. Donc, on va, lire, euh, on va lire un autre passage. Euh, on va lire, euh, alors je cherche la référence, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 On va lire à partir du verset euh, du verset du, à partir du verset 19 pour mieux cerner à partir du verset 8 du parti du, du verset dix-huit pardon Colossiens chapitre 1 à partir du verset 18 Il est la tête du corps de l'église il est le commencement et le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant, par la, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint irrépréhensible et sans reproche, si du moins, si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, ministre, pardon. Vous voyez, donc, si du moins, c'est-à-dire, à condition que vous ayez été trouvé ainsi. On va lire un autre passage, merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre. Euh, pardon. Euh, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean 15. À partir du premier verset. Jésus dit Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le rétranche. Et tout sarment. Qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Voilà encore une preuve. Si quelqu'un ne demeure pas en Christ, il est pris comme le sarment, jeté au feu. Et le feu là, c'est le feu éternel, la géhenne. Vous voyez. Donc, on a besoin de demeurer en Christ et marcher dans la sanctification, frères et sœurs. C'est pourquoi ne vous laissez plus avoir par cette fausse doctrine qui vient de l'enfer, qui est une imagination des hommes inspirée par Satan pour vous entraîner en enfer. Nous devons marcher dans la sanctification, garder la parole de Dieu, ne pas croire à une doctrine qui vous dit que vous pouvez vivre dans le péché et continuer à prêcher l'évangile, à aller en assemblée, à vivre dans le concubinage, parce que cette doctrine-là, elle a aussi, elle a, elle a des variables, hein, c'est-à-dire que vous avez des églises où on vous dit Dieu connaît. Dieu connaît votre situation. Peu importe ce que vous, dans la, la situation dans laquelle vous êtes, tant que vous avez pris conscience que c'est le péché, Dieu connaît. Non, non, frère et soeur, Dieu ne connaît pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Non, on est en train de préparer le mariage, donc Dieu comprend que c'est normal qu'on couche ensemble. Non, la Bible nous dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Coucher ensemble sans être mariés. Même si vous avez le projet de mariage, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Vous voyez Parce que vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, vous êtes marié. Soit on est marié, soit on ne l'est pas. Soit on est impudique, soit on ne l'est pas. Point. C'est tout. Et devant le Seigneur, toutes les personnes qui ne sont pas mariées sont des impudiques. Toutes les personnes qui vont avec une femme qui est déjà mariée ou un homme qui est déjà marié, ce sont des adultères. C'est comme ça que le Seigneur voit ça. Vous voyez Donc... Il y a aussi cette variante-là, cette fausse doctrine, il y a aussi cette variante. C'est-à-dire, tant que tu donnes ta, ta dîme, tant que tu donnes tes offrandes, tant que tu es présent aux réunions d'église, c'est le plus important. Ça aussi, c'est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer. Et n'acceptez plus qu'on vous amène en enfer comme ça, frères et sœurs. Pensez à votre salut. Vous, vous qui nous suivez, pensez à sauver vos âmes. Ne vous laissez plus embrigader par les œuvres des ténèbres et de l'ennemi. Refusez ces choses. Frères et sœurs, refusez ces choses et laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Voilà, sans être trop long. Et comprenons simplement que nous devons veiller. Vous voyez, nous devons vraiment veiller. Et euh, je voudrais euh, terminer avec, euh, avec un passage. Euh, alors, on est dans. Euh, on est dans... Alors je retrouve, je, je retrouve le passage. On est dans Deux Jean chapitre un, chapitre c'est le seul chapitre, à partir du verset 7. De Jean, chapitre 1, verset 7. Ok. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut, qui lui dit salut, participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc, simplement, vous ne devez pas collaborer avec les gens qui enseignent des fausses doctrines. Prédicateurs qui enseignent des fausses doctrines. Que vous interpellez, qui ne veut pas se repentir, c'est-à-dire abandonner cette doctrine et demander pardon au Seigneur, il ne faut pas le recevoir chez vous. Il ne faut pas le recevoir chez vous. Parce que il faut savoir, comme on l'a dit, ce sont des doctrines qui sont inspirées par les démons. Et les gens qui sont inspirés par les démons sont remplis de ruses. Que le Seigneur vous garde, frères et sœurs, qu'il vous protège chez vous, et si le Seigneur permet, à mardi prochain, pour une autre doctrine et à vendredi avec notre frère Tanguy, shalom. thank uh.